Ce que la forme de vos mains révèle de vous. C'est surprenant. Beaucoup de nos façons de faire et de nos caractéristiques physiques ont un sens et permettent de dresser un portrait de notre personnalité. Au même titre que nous vous révélions ce que votre façon de dormir disait de vous, nous allons aujourd'hui nous pencher sur la forme de vos mains et plus précisément, la longueur de vos doigts. Observez bien vos mains et dites-nous si cela colle bien à votre personnalité. Ainsi votre index et votre annulaire sont de la même longueur. Vous êtes sans doute quelqu'un de calme et posé. Vous aimez profondément la nature humaine et aimez écouter les autres. Vous êtes quelqu'un de très loyal, droit et fidèle dans vos relations amoureuses. Vous détestez le conflit et préférez que l'harmonie règne entre les gens. Vous tentez toujours d'arranger les choses et vous aimez rendre service, les actions humanitaires. Vous êtes pacifiste dans l'âme et vous aimez la découverte et les voyages. 2. Si votre annulaire est plus court que votre index. Vous êtes quelqu'un de réservé et sûr de vous. Vous passez d'ailleurs souvent pour une personne prétentieuse mais en réalité, les relations humaines vous effraient et vous n'êtes pas doué pour ça. Vous aimez la solitude et les longues réflexions sur le monde. Vous avez une personnalité complexe difficile à cerner. Certains y arrivent mais il leur faut de la patience. Votre cercle d'amis est très restreint mais ce sont des gens que vous connaissez depuis des lustres. Vous avez comme le sentiment d'être incompris. 3. Si votre annulaire est plus long que votre index. Vous êtes quelqu'un de très charismatique qui a beaucoup de sang-froid. Vous aimez prendre des décisions, diriger, manager même si parfois vos méthodes sont un peu agressives. Vous êtes quelqu'un de pragmatique avec une grande logique. Vous avez un esprit cartésien et un penchant pour les sciences et les activités où le calcul prédomine. Vous avez sans doute un poste à haute responsabilité et vous gagnez très bien votre vie. Dans votre vie personnelle, vous êtes bien plus fragile avec un côté cœur d'artichaut. Alors trouvez-vous que cela correspond à votre personnalité? Faites également le test avec les mains de vos amis.